ben voilà, c'est Mademoiselle la Jaune, la plus vaillante. Ah, fais rebrou chemin. On fait rebrou chemin. Tu les aimes alors, hein, tes petits, oui, on va dire cousins, cousines, hein. Ah bah voilà. Moi aussi je sors. Je sors. Petit bout de papier là. Hop. Oh sweet, t'as couru comme une dératée. Comme une dératée. Oui ma chérie. Et ben voilà, tout le monde sort un petit peu. On fait quelques petits pas dehors, ça c'est bien. Par contre, Tara, voilà, doucement. Hein, tu te couches pas sur les pépés. Hein. Voilà, t'es gentil. Je vois que tu fais des précautions. Tu prends des précautions, c'est très bien. Ah mais non, peut-être pas. Ah non, peut-être pas, ma petite bichette. Ah non. Hein? Ah bah je vois que tout le monde sort un petit peu, c'est bien. Ah c'est Tara hein, qui vous a invité dehors. Hein? Voilà, alors par contre j'en ai une qui est restée toute seule. Viens là ma chérie. Je me disais, m'en manque une. Hein mon bébé. Allez, fais un petit tour là. On va essayer de s'habituer à l'herbe, à la terre. Il y a plus d'odeur que sur le gazon synthétique. Voilà, c'est bien, hein, c'est bien les poupettes. Ah, je vois déjà que la petite verte, c'est une renifleuse. Oh là là, dis donc. Sweet, attention, hein. Je vois ta tête, hein. Sweet, t'es gentil, hein. T'es bien. Oui, je sais que t'es la chef. Ah oui, t'as couru comme une dingue, alors voilà. T'as la langue de 10 km de long.